Calme, Sandy, c'est moi. Oh mon Dieu, Ben, il va tous nous massacrer. Oh. Sandy, il faut toujours que tu dramatises. Marie, je te quitte, ta mère. D'accord, salut. T'as pas vu Francis ces derniers temps? Pas ces derniers jours, non. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, hein. Ça doit être une tumeur. Cela pourrait être une teratoma. Oh, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je t'aime. Je ne te crois pas. Ah, si, si, je t'assure. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne regarde pas, monsieur. Bah alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais un single de Cyril à Paris pour ce soir. Et une couchette en seconde. Pour ce soir, je n'ai plus rien. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui est là? Coucou. Il faudrait que le premier jour du changement d'horaire et le début de l'été soient le même. Quoi? Il est déjà 8 heures du soir, il fait encore jour. Tout ce que tu racontes ne nous apporte pas grand-chose. Non, ça ne change rien la couleur. Salut Herb, et toi et tout. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bon. Tout le monde sur le coup, il ne doit pas nous échapper. Et rappelez-vous, la boîte qu'il a volée, c'est top secret. Oh, Alan, faites attention. Vincent? Oui, Daniel, un moment. Qu'y a-t-il, Slade? J'ai cru entendre un bruit. Une cloche, possible? Allô? Moi, je te dérange peut-être? Francesco? Non, t'inquiète. Il fallait bien que je sorte de la douche. Content de vous revoir, Dutch. Ça faisait longtemps, mon général. C'est vrai, entrez, Dutch. Il est à toi. Respecte-le. Un jour, tu comprendras. Une bouteille de soda, s'il vous plaît. Soda? Oui, monsieur. La propriétaire, Madame Davis,